you get when you can't fully do the math. Bonjour à tous, c'est Alexandre The Gamer et tout le site. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, bien sûr, à la suite de l'unboxing de la PS4 Pro. Donc, j'ai pas eu le temps de prendre les commentaires en compte. Mais de toute façon, je pense que la vidéo PSVR sortira avant la PS4. Mais bref. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du PSVR, le casque de réalité virtuelle de Sony qui est à 400€. Autrement dit, une broutille. Lol. Alors on commence tout de suite par ouvrir cette chose. Donc, une boîte de pizza. Toc. Voilà, plein de cartons en plus. On adore ça. Voilà. Alors. On prend la boîte, on laisse tomber ça, et nous voilà avec la jolie boîte. Alors, comment qu'elle s'ouvre? Ah, comme un petit scratch. Alors, du blanc et du bleu, la couleur normale de Sony. Alors, le gros dépliant qui explique tout ce qu'il y a. À lire, brancher, à lire de préférence. Ouais, ça explique comment brancher le VR et sûrement comment l'initialiser aussi. De toute façon, il y a des numéros, donc on ne peut pas se trouver dans les branches. Ouais, donc il y a des numéros, tout expliqué. Voilà. Et il y a des petites boîtes pour les plusieurs compartiments que compose le VR. Voilà, tout y est. Alors, première boîte random qu'on prend, qui doit comprendre le câble d'alimentation. Voilà, rien d'alarmant, hein. C'est les mêmes que d'habitude, rien ne change. Voilà. Deuxième boîte qu'on prend, donc en fait il y en a que deux, autant pour moi. Alors ça, ça doit être... Putain, les chiens d'ouvrir ça. Voilà, alors le bloc d'alimentation, l'espèce de boîtier de traitement, je suppose. Un câble. La mini PS4 que tu parles. Ouais, l'espèce de mini. C'est pour, le traitement, le gameplay asymétrique. Ouais. Pour que le jeu soit aussi bien dans le casque que sur la télé. Notamment sur certains jeux de Playroom VR. Bon, en clair, ça va être, c'est comme une carte graphique externe de post-traitement, en fait. Donc, le câble d'alimentation. Une paire d'écouteurs intra-auriculaires, putain c'est une rareté dans... chez Sony ça. Oui mais enfin bon. Bon ils sont de bonne qualité. Hein. Bon, oui mais rien ne vaut un bon casque. Il me rappelle les... En couleur il me rappelle un peu les PlayStation 1. C'est à peu près de ouais, la même voilà. Couleur. Oh, un petit peu de nostalgie quoi. Voilà ouais. Donc ça c'est bon. Et après je crois qu'on aura le plus gros. Alors, ouais, bon, tout ce qui est notice, un CD. Ouais, voilà, c'est des démos. On s'y attendait. Une petite chiffonnette pour nettoyer les lentilles. Le truc de garantie. Ensuite, on a un câble HDMI. Je sais pas ce que c'est. La grosse nappe pour l'alimentation, je pense que du casque. Oui, c'est ça. Une grosse nappe pour le casque. Et bien sûr, le gros du gros, le PlayStation VR. Alors, je l'ai vu en vidéo, mais pas en vrai. Ben, en vrai, ben, c'est un casque. Oula, je change de viseur à remonter. Alors, ben, tout ce qui est câble. Alors, ah, du gros, en fait. Waouh. Il est relativement léger, par contre. Waouh. Donc, ça va. Donc, voilà, blanc et noir. Tout est mat, plutôt sobre. Ouais, c'est vraiment sobre. Hein. Bon, tout est réglable dessus. Et on peut le régler pour les personnes ayant des lunettes comme moi. Ouais, il est adaptable. C'est plutôt cool parce que je pourrais jouer avec mes lunettes au lieu ouais. De voilà. Donc on a tout ça qui est mis dessus. Voilà. Donc bah, les lentilles. Voilà quoi, les écrans sont à l'intérieur.
Donc je pense qu'ils ont fait un sacré gros travail d'optimisation parce qu'il est relativement léger quand même le casque. Mais cela dit, si tu l'as pendant des heures sur la tête. Ouais, vaut mieux qu'il soit léger, mais comparé au HTC Vive que j'ai déjà porté, il est quand même relativement plus léger. Alors, moi la question qui me fait un peu peur, c'est au niveau des bois. Qu'est-ce que j'entends par les bleus? Bah les nausées tout simplement. Ouais, bah ça de toute façon comme tous les comme tous les trucs de réalité augmentée, il y a forcément un moment où on va dégueuler. Ça dépend de certaines personnes. Bah là, après, après Micromania m'a dit pour le début, commencer par 10 minutes d'utilisation et aller progressivement. Quoi. Ouais. Ils m'ont. Enfin voilà, ils m'ont dit pas forcer quoi. Ouais. Dès que vous voyez, vous arrêtez 10 minutes et vous reprenez 10-15 minutes plus tard, le temps que ça passe. Bien, ouais. Donc voilà la chose. Plutôt magnifique, hein. Ouais, c'est propre, hein. Ils ont fait quelque chose de propre. Pour une fois. Ouais. Un petit instant clash. Pardon. Mais non, je dis ça, j'aime bien les deux, Microsoft et Sony, donc il n'y a pas de guerre. Mais pour une fois qu'ils font quelque chose de bien fini. Ouais. C'est cool. Alors je suis relativement content parce que ça fait un bail que je l'attendais. C'est vrai que. Certains disent on rentre dans une nouvelle ère, certains ont peur, certains sont curieux de tester, donc moi je fais partie de ces gens-là qui aiment les nouvelles technologies tout en jouant quoi. Ça va être un autre monde. Ouais. C'est une autre façon de voir le jeu. Ouais. Bon. Bon ben. Je crois que c'est tout pour la vidéo, à moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter. Bon, sur le PlayStation VR, je le connais pas plus que toi, donc du coup, j'ai rien à rajouter. Bah, on découvrira ça ensemble. Donc, sur ce, si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, des commentaires, partagez la vidéo, et surtout, si vous avez testé le PSVR, n'hésitez pas à me donner vos avis. Sur votre première expérience VR, ça peut être intéressant. Parce qu'au niveau des jeux, je sais pas comprendre. Donc voilà. Bon, bah, sur ce, on vous laisse. Et moi et mon collègue TwinkleSize, on vous dit à la prochaine. Salut à tous.